Salut les amis, salut tout le monde, et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés Afrique TV. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle partie d'informations, plus précisément du côté du Mali, où nous avons la baisse de la crainte des populations civiles dans la région de Kidal. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Mali, un calme précaire règne toujours à Anéfis, localité située à l'entrée de la région de Kidal et reconquise samedi 7 octobre 2023 par l'armée malienne et ses supplétifs russes Wagner, après de durs combats face aux rebelles du CSP, car stratégie permanente. Le convoi format Wagner d'une centaine de véhicules n'a plus progressé depuis et une forme de poste est observée sur le front. Mais l'armée a annoncé son intention de progresser jusqu'à Alghelok, Tessila et Kidal, avec la reprise de la guerre de la perspective de nouveaux combats. Les populations civiles de la région et de la ville de Kidal craignent pour leur vie. Les habitants d'Anéfis et d'autres localités voisines comme Mbokuitene, Tendaran et Taborak avaient fui avant l'arrivée de l'armée malienne. Selon les chiffres du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 360 ménages, ce qui représente plus de 1800 personnes, se sont déplacés au cours des derniers jours vers d'autres villes de la région comme Tiendazam, Amazing ou encore Kidal. Et bien les amis, c'était tout ce qui était pour notre petite note informative, car dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative, car moi je trouve que les forces de défense de l'armée malienne sont en train de faire de leur mieux pour remédier à la situation qui endeuille le Mali depuis 2015. Et nous passons et donnons tout notre cœur avec les soldats au front pour que la ville de Kidal soit débarrassée de tous ces rebelles qui cherchent à semer le désordre dans tout l'étendue du Mali. Et bien les amis, c'était tout ce qui était pour notre petite note informative, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis. Bye bye.